Allô? 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 C'est Ninou. C'est bon, Brigitte, t'as le numéro? Oui, je l'ai. Ok, bon, bah c'est parti. Alors, j'appelle? J'appelle la libraire. Allô, bonjour, c'est Ninou. T'es la dame des livres? Oui. Je t'appelle parce que ben, j'ai écrit une bande dessinée. Mais c'est super. Ouais. J'ai fait tous les dessins et toute l'histoire tout seul. D'accord. Je t'appelle pour savoir si tu pourrais la mettre dans ta vitrine. Il faut me la montrer d'abord. Oui, mais tu sais, elle est super belle. Et puis, j'ai fait beaucoup, hein. Il y a au moins 2 feuilles. C'est énorme. Ouais. Ah oui. C'est l'histoire d'un petit garçon. Et puis, tu sais, ce petit garçon, il est avec ses copains. Et puis, il est le chef. Ah. Alors, tu sais, j'ai dessiné tous les copains. Ils sont tout petits. Et puis, ben lui, il est grand. Un chef, c'est toujours grand. Ouais, ouais. C'est normal. Faut toujours se représenter un chef comme ça, très, très grand. Mais tu sais, ce petit garçon, ben, il est très malin. Et il est un super héros. Mmh. Il a des super pouvoirs. Ah, c'est un chef. Ouais, ouais, ouais. Un jour, c'est son anniversaire. Et puis, il y a son gâteau qui arrive. Quel suspense. Ouais. Ben, il y a des méchants qui arrivent et qui lui piquent son gâteau. Ben voilà, mais j'en suis là. Et après, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Ah. Alors, des bougies magiques. Ouais. Faut qu'ils mangent les bougies. Et en fait, c'est des bougies magiques un petit peu ensorcelées. Ouais. Et ça leur jette un mauvais sort. Et après, ils sont obligés de refaire un gâteau aux petits garçons. Et comme ça, ils sont libérés de leur mauvais sort. Oh. Et hop, ils redeviennent des méchants, mais gentils quand même. Ah ben ça, c'est une super fin. Voilà. Ben, je vais dessiner ça. Ouais, super. Ouais, et tu pourras, quand j'aurai fini, la mettre dans ta vitrine? Mais bien sûr, il n'y a pas de problème et on fera une dédicace. On pourra peut-être passer à la télé, alors? Sûrement, même. Et puis, on me demandera comment j'ai écrit le livre. On me posera plein de questions. Bon, alors, bonjour, Ninou, comment vous avez écrit ce livre? Eh ben, je dirais, ben, je l'ai écrit avec un stylo. Ah. Ouais. Moi, ça marche, hein. Moi, j'attends que la BD soit finie et je la mets en vitrine. Et puis, on sera plus connu que le dictionnaire. Ah, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, facile. Si c'est bien écrit, ben, après, on me demandera peut-être d'écrire d'autres trucs. Oh, mais c'est sûr. Avec Obama, ce sera bien. Tu crois? Je pourrais écrire les discours du président Obama? Ah oui, oui, oui. Avec Obama, avec Nelson Mandela. Ils aimeraient bien que je leur écrive des trucs. Oui. D'accord. Et voilà. Puis, si t'es gentil, ben, je te ferai un autographe. Superbe. Tu crois pas que Ninou est un peu la grosse tête, là ?